Bonjour à tous et bienvenue chez les Mulets. Aujourd'hui, je vous présente la recette de la pâte brisée. Pour effectuer deux pâtes, j'ai utilisé 400 g de farine T45, 250 g de beurre donc pour deux pâtes. On coupe le beurre en petits morceaux, on le fait ramollir. On mélange avec la farine. Donc pour deux pâtes, il me faut deux œufs entiers que l'on va mélanger à la pâte. Ensuite, on introduit 100 ml d'eau et on va commencer à travailler ce mélange avec le crochet du robot. Sinon, on peut très bien le faire à la main. Donc, on va pétrir cette pâte jusqu'à ce que la boule s'accroche au crochet et se détache de la paroi du bol. Une fois la boule bien formée, on la met sur un plan de travail. On va la filmer donc au contact et on va laisser la pâte au frigo pendant minimum une heure et après on pourra l'utiliser. Vous pouvez vous organiser d'avance en la congelant et en la sortant au moment de la préparation, de votre préparation.